Je vois un papa là-bas qui est en train de prendre sa guérison. La main de Dieu est sur toi, papa. Reçois la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La maman qui est là, reçois la guérison. La vieille marche, marche, marche. Une, deux, trois, quatre. Oh, voilà. Une cinquième marche. Dansez. Je guéris, 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 guéris. C'est ton tour. J'ai dit 6 personnes. Et là, je compte 5 ou bien 6. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ton tour. 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 C'est toi qui es en train de marcher. C'est toi qui prends ton miracle. C'est toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Que la grâce soit sur toi. Que la puissance soit dans tes jambes. Marche, 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 ta jambe se redresse, ta jambe, tu es guéri par la puissance de Dieu, tu as reçu ton mental. Marche, 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 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus. Alléluia. Je veux prêcher, mais j'entends qu'il y a trois personnes qui ont l'oreille qui se débouche. Hier, il y a des sourds qui ont entendu ici. Il y a une dame qui n'entendait pas d'une oreille qui a entendu. Mais ce soir, il y en a encore un peu plus. La puissance de Dieu guérit tes oreilles. Si ton enfant n'entendait pas, mettre la main dans les oreilles et retire les doigts comme ça. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, vous vous entendez maintenant. On va acclamer, les oreilles vont s'ouvrir, acclamer. Acclamer, 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 acclamer. N'entendait pas, commence à entendre. Les oreilles sont en train de se déboucher dans le nom de Jésus. Pendant ce temps, ceux qui ont été guéris des jambes, que Dieu étende sa main, qu'il affermisse vos jambes. Merci Seigneur pour la guérison qui est parfaite. Merci Seigneur parce qu'il ne boite plus. Merci Seigneur parce qu'il marche parfaitement. Au nom de Jésus. Maintenant, vous qui avez des parents qui n'entendaient pas, mettez-vous derrière eux et puis appelez-les. Faites le test. Et il y a quelques gens qui ont entendu parmi eux. Dès que tu sens qu'il a entendu, amène-le devant, venez devant. On va rendre grâce à Dieu. Appelle-le maintenant parce que Jésus l'a guéri. Si c'est un enfant, mets-toi derrière puis dis son nom. Il va entendre et il va te répondre. Dans le nom de Jésus, les oreilles sont débouchées. Les oreilles s'ouvrent. Les oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus. Allez, faites le test. Testez. Est-ce que quelqu'un a entendu maintenant? Si tu m'entends,
que tu n'entendais pas tout à l'heure, Jésus vient de te guérir. Alors quitte ta rangée, viens devant rendre grâce à Dieu. Pendant ce temps, prenez le témoignage de ceux qui ont marché. Je vais descendre pour parler à certains. Les équipes de Healing Team, vérifiez. Testez qu'il entend. Je vais prier après pour tout le monde. Mais là, je donne des paroles par rapport à ce que j'entends qui sont guéris. Je me tiens ici comme ça. Et je vois sur ma gauche quelqu'un qui souffre d'impuissance sexuelle. Il est marié et c'est en train de fatiguer ton foyer. Parce que tu n'arrives pas à répondre aux besoins de ta femme. Et toi-même, tu es malheureux. Mais à l'instant, je me tiens là, Jésus vient de te guérir. Ce soir même, tout va changer. Jésus vient de te guérir de cette impuissance. La grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. 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 Quelqu'un acclame Jésus. Acclamez, 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 Jésus, 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 Jésus. Il s'appelle Jésus, Jésus, il est le sauveur. Jésus, tu es guéri. Jésus, tu es guéri. Jésus, tu es sauvé. Jésus, tu es délivré. Jésus, alléluia. Jésus, gloire à Dieu. Alors j'attends ceux qui ont été guéris, venez rendre grâce à Dieu. J'ai cité deux cas de maladie. Mais s'il y a d'autres personnes qui ont été guéries, car c'est le Saint-Esprit qui opère, vous pouvez aussi venir devant rendre grâce à Dieu. Tu ne voyais pas, maintenant tu vois. Tu ne pouvais pas parler, maintenant tu parles. La boule a disparu de ton ventre. Viens rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ceux qui n'entendaient pas, qui ont entendu, venez devant rapidement. Est-ce qu'on a des témoignages? C'est d'abord. Oui, pasteur. Oui. Jésus fait des miracles. Yes, alléluia. Maman qui bon. Donne-lui un bon son. Oui. Pasteur, depuis 10 mois, papa ne pouvait pas marcher correctement parce qu'il a eu un accident de voiture. Il a eu un accident de voiture. Et il marchait avec ce déambulateur. Il marchait avec ça. Mais tout à l'heure, oui, pasteur, tu as dit, il y a des personnes qui ont la foi, qui vont commencer à marcher. C'est le premier même qui s'est levé. Il dit, il a eu le courage. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. Alléluia. Jésus fait des miracles. Demain matin, je descends là-bas pour c'est qui? Attends, moi j'aime interroger les personnes d'abord à côté. Eh papa français, elle n'a qu'à parler, va traduire. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est dans mes blocs quoi. Ton nom est bleu. Papa parle comment, mais. C'est pas balé. Eh pas quoi? C'est le fond. C'est le fond. C'est le fond. Bon, qui traduit pour moi? C'est fond. Mais tu parles français aussi. Bon, ok, vas-y, vas-y. Alléluia. Amen. Ma one ciao ton quoi. C'est un bleu fait 9 janvier. Elle dit que le Seigneur a fait, il a opéré puissamment parce qu'ils ont eu un accident le 29 janvier. Des motos bien pleins. Toute la voiture était détruite. Tonneau est dans mes bleus. Ils ont fait 4 fois tonneau. Papa était bien coma, mais. Et papa était dans le coma. Ni mes bien car moi mais. Nous tous on était dans la voiture. Donc ouais, mais moi je suis quoi. Ok, elle est elle est chrétienne. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé après l'accident? On va arriver. Ah, c'est un mais tu étais tombé place d'aller. Donc non papa, mais comme quoi on peut y aller coup, mais comme quoi non, on peut pas aller bien coup. Allons-y. Traduis on va. Lors de l'accident, ils étaient que les deux survivants. Tout le monde était mort dans la voiture. Oh là là. Personne n'est mort dans la voiture. Bon. Non, papa, maman est allée trop loin. Oui. Donc, ça fait combien de temps que tu ne marches pas?
le 29 janvier passé. Et janvier sorti na tia serio ba accident quoi. Accident de circulation. Ka keke? Pas voiture. Quelqu'un gourma. Comme il dit quelqu'un là. Bon, on a fait un accident de circulation. On était 5 dans le véhicule. Maintenant, ça fait tonneau plus de 4 fois. Moi, je ne savais pas le nombre de fois. J'étais bien en coma. On m'a sorti à l'hôpital. Maintenant, on était parti à l'hôpital chinois. L'hôpital chinois. Que ce n'est pas, eux, ils n'ont pas de neurologue. Donc, on va gagner du temps. On va écouter d'autres témoignages. Amen. Donc, tu es resté. Combien de temps malade? J'ai fait deux mois à l'hôpital. Oui. Maintenant, je me suis retrouvé à peine. Je ne marchais pas. Ça, il a dit quoi? Mon corps était paralysé. Oh. Je suis commencé par revenu petit à petit. Jusqu'à ce moment. Oui. Et tu devais utiliser cet appareil-là pour marcher. Et c'est le diabulateur là que j'utilisais. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, et après, lorsque vous nous aviez demandé de faire cela, j'ai pris le courage pour avancer pour voir si tu pouvais marcher. Alléluia. Oui. Mais c'est la marche que j'ai faite de là-bas jusqu'ici. Et c'est Jésus. Et à partir de maintenant, tu marches de mieux en mieux. Tu ne boites plus. Toute raideur qui était en toi est terminée dans le nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. La maman, tu es contente? Tu es contente de voir ton mari guéri? Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Merci Seigneur pour ton fils. Que la grâce soit avec toi. Merci Seigneur pour cette œuvre. Merci parce qu'elle est parfaite. Parce qu'il marche parfaitement. Au nom de Jésus. Papa, on marche, marchons. Que la raideur parte. Que la raideur parte. Et que tu marches parfaitement. Dans le nom de Jésus. 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 Tu es guéri. Ta jambe est guérie. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que j'ai un témoignage? Jésus fait des miracles à Parakou. Notre frère dit depuis 3 ans. Oui, attends, j'ai pris le papa. Que le sang de Christ te recouvre. Que la parole de Dieu soit avec toi. Que cette œuvre que tu as commencée, qu'il l'achève parfaitement. Que tu recouvres totalement et parfaitement l'usage de tout ton corps. Que Dieu bénisse votre maison. Maman, tu es bénie. Au nom de Jésus. Amen. Oui, pasteur. Oui. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, notre frère marchait avec ses deux béquilles. Avec ses béquilles. Sans ses deux béquilles, il ne pouvait pas marcher. Mon ami, jeune homme, ça va? Oui, ça va très bien. Sans ça, tu ne peux pas marcher. Tu marchais avec les béquilles. Oui. Tu as eu un accident? Oui, j'ai fait un accident, ça fait 3 ans. 3 ans. Et depuis là, tu ne marchais pas. Il te fallait les béquilles. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce soir, vous avez dit. Il y a un certain nombre de personnes qui ne marchaient pas, qui allaient commencer à marcher. En effet. Il a laissé les deux béquilles et il a commencé à marcher. Jésus fait miracles. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il fait des miracles. Mais je dis qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça pour moi. Mais qui fait ce miracle? C'est Jésus qui fait ça pour moi. Parakou qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça pour moi. Mais qui fait ça? Oh, oh. C'est Jésus qui fait ça pour moi. Alléluia. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ton nom? Je m'appelle Monsieur Idrissou. Messou? Idrissou. 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 Oui. Tu es guéri aujourd'hui. Tu es content de marcher sans les béquilles? Oui. André, tu n'es pas content. Ou bien tu ne comprends pas ce que j'ai dit? Tu es content, ça va? Oui, je suis fier de m'avoir marché. Ah bien. Ou bien tu parles comment? Bariba. Oui, je suis un Bariba. Mais, donc, ok. Alléluia. Tiens. Merci Seigneur pour Idrissou. Merci pour ta grâce qui est sur sa vie. Le sang de Christ te recouvre. Tu es gardé dans les mains de Jésus. La santé dans ton corps. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon, un autre témoignage. Oui. Pasteur. Oui. Jésus fait des miracles à Parakou. Tout à l'heure, pasteur, vous avez dit que l'onction est en train de guérir ceux qui n'entendaient pas. Les sourds, oui. Depuis 10 ans. Elle entend faiblement.
sa maman qui allait obligée de crier pour l'appeler. Et mais tout à l'heure, la puissance de Dieu est descendue sur elle. Donc tu es entré dans ses oreilles, elle appelle, elle répond. Jésus, quelqu'un peut acclamer Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est tellement puissant. Il guérit les malades. Il ouvre les oreilles des sourds. On l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. Alléluia. Cette fille n'entendait pas. Elle entendait petit. On devait crier. Mais aujourd'hui, maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, quoi? Je rends grâce à Dieu. Doucement, doucement. Je rends grâce à Dieu. Ma fille n'écoutait pas. Mais ce soir, quand nous sommes arrivés, elle n'entendait pas. Ça fait près de 10 ans. Près de 10 ans. Et maintenant, je lui ai demandé, est-ce que. Maintenant, ça va, elle a dit qu'elle entend maintenant très bien. Ah, alléluia! Oh. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Amawa Isiru. Où est Isiru? Moga. Faut tourner. Peut-être qu'elle voit ta bouche. Faut lui parler. Amawa Isiru. Moga. Demande-lui à Naka soulever la main. Anomasuo. Demande-lui à la casse sauter. Encore un témoignage, c'est bon, je vais prêcher. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Oh, yes. Quelqu'un acclame Jésus. On appelle Jésus. Jésus. Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça pour moi. Je dis qui fait ça. Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Amen. Pendant même que je vais prêcher, la puissance de Dieu va continuer de guérir. Dans le message, il y a de la guérison. La Bible dit que Jésus a envoyé sa parole et sa parole a guéri. Alléluia. Alléluia. Je vais lire avec toi un passage de les Saintes Écritures dans l'évangile de Luc chapitre 5. C'est une histoire avec Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Simon go. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent
pris les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Alléluia. Les gens qui vous asseoir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tout le monde a dû entendre parler de ce monsieur qu'on appelle Simon Pierre, qui est un des plus grands apôtres de Jésus. Cette histoire raconte comment Simon Pierre a rencontré et a suivi Jésus. La Bible raconte que Simon Pierre faisait la pêche. C'était un pêcheur, un grand pêcheur. Et apparemment, il avait beaucoup de barques. C'est comme s'il avait une entreprise de pêche. Mais depuis un certain temps, la pêche ne marchait plus. Une nuit même, ils ont fait la pêche toute la nuit. Parce que ceux qui font la pêche savent que pour prendre les poissons, il faut faire la pêche la nuit. Parce que lorsqu'il fait très chaud, les poissons vont très en profondeur pour éviter la chaleur du soleil. Donc la nuit, comme il fait frais, les poissons remontent vers la surface. Et c'est là que les pêcheurs prennent le maximum de poissons. Et cette nuit-là, l'apôtre Pierre lui-même, il n'était pas encore apôtre, mais il dit qu'ils ont travaillé toutes les barques. Ils étaient beaucoup de bateaux sur le lac. Et ils n'ont pas pris un poisson. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. A dit au verset 5, Pierre. Il a travaillé toute la nuit. C'est une image pour nous parler de nos vies. La barque de Pierre, c'est comme sa vie. C'est avec ça qu'il nourrit ses enfants. C'est avec ça qu'il s'occupe de sa maison. C'est son lieu de travail. Mais depuis un moment, il travaillait. Et il voit que sa vie ne donne rien. Il voit que sa vie ne réussit pas. Il n'arrive plus à bien s'occuper de sa femme. Il n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont comme Pierre. Quand tu regardes ta vie jusqu'à maintenant, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu vas à l'école, tu travailles, mais qu'est-ce que tu es en train de devenir? Peut-être que tu as de l'argent. L'apôtre Pierre, bon, en ce moment, il n'était pas encore apôtre, mais Pierre, il avait beaucoup de bateaux. Mais il était malheureux parce qu'il y a quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont l'argent et ils travaillent, mais leurs enfants, ils n'arrivent pas à aider leurs enfants. Les enfants sont dans l'alcool, dans la drogue. Ils leur donnent à manger, mais la maison est triste. J'ai vu des femmes qui travaillent tout le temps pour s'occuper de leur mari, mais le mari est toujours dehors avec d'autres femmes. Elles aussi, elles ont travaillé tout le temps, mais elles n'arrivent pas à garder leur maison. J'ai vu des élèves étudier à l'école, travailler tout le temps, mais ne jamais avoir leurs examens. J'ai vu des hommes travailler depuis qu'ils sont jeunes,
Et aujourd'hui, ils s'approchent de l'âge de la retraite. Et ils n'ont pas pu construire une seule maison. Ils n'ont pas d'endroit où garder leur famille. Eux aussi, ils peuvent dire à Jésus, j'ai travaillé toute ma jeunesse. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je ne peux pas laisser un héritage à mes enfants. Je n'ai rien à laisser aux gens. Je n'ai rien à laisser. J'ai vu des femmes se marier très jeunes. Quand elles ont pris de l'âge, le mari les laisse pour aller chercher d'autres jeunes filles. Elles aussi, elles peuvent dire à Jésus, je suis resté avec cet homme pendant 20 ans, 30 ans. Mais aujourd'hui, il m'a laissé. Je suis rien dans la maison. Et il est en train d'aller chercher d'autres femmes ailleurs. Des hommes qui ont travaillé pendant longtemps. Et à un moment donné, on renvoie tout le monde au bureau. Et ils ont perdu le travail. Comme l'apôtre Pierre, chacun d'entre nous a des domaines dans sa vie où ce qu'il a moissonné, c'est l'échec. Ce sont des problèmes. Malgré ton travail, malgré tes efforts, malgré ce que tu as fait, Pierre dit, j'ai travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Normalement, à cette heure-là, lorsqu'on travaille, on doit avoir beaucoup de poissons. Parce que les poissons montent à la surface. Si on a fait la pêche toute la nuit, dans la journée, on ne peut rien avoir. Alors le matin arrivé, Pierre était découragé. Au verset 1, il est dit que pendant qu'eux, ils étaient en train de venir déposer leur barque, pendant qu'ils sont arrivés au bord du lac, pour dire c'est terminé, pendant qu'ils étaient au point de se décourager, où ils voulaient dire que la vie, eux dans la vie là, ils seront rien. Dans la vie, ils n'ont rien. Ils étaient au bord du lac. Ils avaient commencé à laver leur filet pour dire que ma vie a échoué, pour dire que je ne peux plus rien faire. Et pendant qu'ils étaient dans les dents, la Bible dit que Jésus-Christ est venu aussi au bord du lac. Ce soir, par un coup, Jésus est là. Jésus est venu. Il est venu s'arrêter à côté de ta vie. Je viens de la part de Jésus. Je suis le messager de Dieu. Tu es venu ce soir avec peut-être toute la... Toi, ta barque, tu as essayé, ta barque, c'est ta santé. Depuis longtemps, tu cherches à être guéri. Tu es allé voir les médecins. Tu as vu tous les médecins. Tous les médecins, pardon. Et malgré cela, ta santé ne s'améliore pas. Tu as envie de dire à Jésus, j'ai travaillé toute la nuit. Je me suis soigné toute la nuit. Mais jusqu'à maintenant, je ne vais toujours pas bien. Et à un moment donné, tu es en train de baisser les bras, tu vas être découragé. Mais la Bible dit, au moment où le jour, en plein jour, là où ils étaient découragés, là où ils allaient presque abandonner, Jésus est arrivé au bord du lac. Il y avait du monde qui était là. Comme ce soir, aujourd'hui, tu es venu à cette croisade parce que tu n'as plus d'espoir. Tu passais par accident. Et tu as dit, bon, ce monsieur-là parle, je vais venir écouter. Peut-être que tu es venu ici parce que ton travail te demande d'être là. Peut-être que tu es venu ici parce que ta soeur, parce que ton frère, parce que quelqu'un t'a invité. Mais quand tu fais le bilan de ta vie jusqu'à maintenant, tu es triste dans ton âme.
Devant les gens, tu joues au dur. Devant les autres, tu fais comme si tout va bien. Mais quand tu regardes dans ton cœur, tu dis, ma vie est un échec. Où je suis en train de partir. Tu ressembles à l'apôtre Pierre qui a fait la pêche toute la nuit et qui arrive le matin qui dit, c'est terminé. Je n'ai plus d'espoir. Qu'est-ce que je dois faire? Et il est arrivé. Il était en train de laver les filets. Et Jésus était là. Ce soir aussi, Jésus est à ta porte. Ce soir, Jésus est là vers toi. Et Jésus était là. Alors, la foule était vers Jésus. Et Jésus demande une chose à Pierre. La Bible dit que Jésus a localisé deux barques. Jésus a localisé Pierre. Mon frère, Jésus t'a localisé. Ma soeur, Jésus t'a localisé. Tu es découragé de la vie, mais Dieu t'a apporté le regard sur toi. Par un coup, je suis venu te dire que Dieu a apporté le regard sur toi. Toi, tu crois que toute la vie tu échouais, Dieu ne te voyait pas. Dieu te regardait. Dieu te regardait. Et aujourd'hui, tu ne sais plus quoi faire. Tu as baissé les bras. Il est venu s'arrêter et il t'a localisé. Je viens dire à quelqu'un, Dieu t'a localisé. Au milieu de la foule, Dieu t'a localisé. La Bible dit qu'il y avait une grande foule qui était au bord de la mer, du lac. Mais Dieu a localisé Pierre. Dieu localise ceux qui sont fatigués. Dieu localise ceux qui sont fatigués des maladies. Dieu localise ceux qui veulent même aller se suicider. Tellement tu es découragé de la vie. Tu te dis, la mort est préférable à la vie. C'est pour ça que Dieu t'a localisé. Venir, c'est comme, on a envie de dire, Pierre a jeté l'éponge. Pierre était découragé. Il a travaillé toute la nuit. Et il ne sait pas maintenant comment il va rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il va donner à la maison? Qu'est-ce qu'il va faire? Il était découragé. Et Jésus l'a localisé. Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, venez à moi. Venez à moi. C'est moi la réponse pour les gens fatigués. Et Jésus s'est approché de la barque. Il dit, Monsieur Pierre, Monsieur Pierre, Monsieur Pierre, je peux monter dans ton bateau? Je peux monter dans ton bateau? Pierre aurait pu dire non. Pierre aurait pu dire non. Mais il a accepté. Aujourd'hui, je viens te donner ce message. Tu as fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu es découragé. Vas-tu laisser Jésus rentrer dans ta barque? Vas-tu laisser Jésus rentrer dans ta vie? Vous savez, le texte dit que Jésus avait déjà commencé à presque à parler. La foule était là autant de pressé. Et Jésus a dit, Pierre, je peux monter dans ta barque. Donc Pierre savait qui il était. Vous savez, il y a beaucoup qui fréquentent l'église. Mais Jésus n'est pas encore dans leur barque. Il y a beaucoup qui connaissent le pasteur. Mais Jésus n'est pas encore rentré vraiment dans ta vie. Tu marches à côté de Jésus. Tu vas à l'église. Mais Dieu n'est pas encore rentré dans ta vie. Dieu n'est pas encore rentré dans ta vie. Jésus a dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, je vais entrer. Aujourd'hui, mon frère, toi aussi tu dois laisser Jésus rentrer dans ta vie. Jésus rentrer dans ta barque. Malgré ton découragement, malgré que tu n'as pas d'espoir, je viens te dire que la solution pour les gens fatigués, épuisés, découragés se trouve en Jésus. Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués, quand vous êtes découragés, c'est vers moi qu'il faut venir. Quand tu es découragé, il ne faut pas aller dans l'alcool. Quand tu es découragé, il ne faut pas aller dans la drogue. Quand tu es découragé, jeune fille,
Ce n'est pas le temps de livrer ton corps à tous les hommes. Tu étais une jeune enfant. Ton oncle t'a violé. Aujourd'hui, tu n'as même plus de respect pour ton propre corps. Tu es fatigué, tu ne sais pas comment payer ton école. À cause de cela, tu te livres aux hommes. Jésus dit que ma fille, tu es fatigué. Comment à ton âge tu vis des rapports sexuels comme ça? Jésus dit, viens à moi, je suis la réponse. Tu n'as pas voulu cette vie. Tu n'as pas voulu te prostituer. Tu n'as pas voulu vendre ton corps. Mais ta vie a été tellement de problèmes. Tu as souffert tout le temps. Et Jésus est là ce soir. Et il se tient aux portes de ta vie. Il dit, ma fille, laisse-moi rentrer dans ta vie. Laisse-moi rentrer dans ta vie. Moi, je n'aime pas pourquoi tu es dans la drogue. C'est parce que tu es découragé. Pourquoi tu fumes? C'est parce que tu es découragé. Toi-même, tu sais que la cigarette et la drogue sont en train de détruire ton corps. Sont en train de te tuer. Mais c'est parce que tu n'as plus d'espoir. C'est parce que tu ne crois plus en toi que tu es obligé de trouver du réconfort dans la drogue et dans l'alcool. C'est toi, on va ramasser tellement tu as bu. Jésus vient te poser la question. Est-ce que je peux rentrer dans ta barque? Est-ce que je peux rentrer dans ton bateau? Est-ce que je peux rentrer dans ta vie? Tu dis, Jésus, j'ai essayé tout le temps d'arrêter la cigarette. Ça n'a pas marché. Jésus dit, prête-moi ta barque. Donne-moi ta vie. Ta barque, c'est ta vie. Pierre a accepté que Jésus rentre dans sa vie. Pierre a accepté. Il a décidé de ne plus regarder Jésus de loin. Ceux qui regardent Jésus de loin, c'est ceux qui disent qu'ils sont dans des religions. Ils entendent parler de Jésus, mais ils ne veulent pas s'engager avec Jésus. Ils ont vu les miracles que Jésus a fait. Ils ont vu les paralytiques marcher. Ils ont vu les sourds entendre. Mais ils ne veulent pas que Jésus vienne entrer dans leur vie. Parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur que les parents les chassent. Ils ont peur que les gens se moquent d'eux. Mon ami, tes parents, tes amis, toutes ces personnes-là, malgré leur présence dans ta vie, jusqu'à aujourd'hui, ta vie a échoué. Est-ce que pour plaire aux hommes, tu vas continuer à demeurer dans l'échec? Quand j'ai donné ma vie à Jésus, oui, à un moment j'ai quitté la maison. Mais j'étais décidé. J'étais un garçon dans ma ville. Les filles m'aimaient. Je draguais les filles. Mais dans mon cœur, je me sentais seul. Et un jour, Jésus m'a demandé si je peux rentrer. Ce jour-là, je lui ai dit, Jésus, il faut entrer. Je savais que ça allait me fatiguer dans la famille. Je savais que les gens n'allaient pas comprendre. Je savais que j'allais perdre mes copines. Mais mes amis, mes copains, tous ces étaient là. Où partait ma vie? Alors Pierre ne s'est pas occupé de ce que les gens ont dit. Jésus est monté dans la barque. Et lorsque Jésus est monté dans la barque, Jésus a dit à Pierre, éloigne la barque. Va un peu dans l'eau. Quitte le bord du lac. Va un peu dans l'eau. Lorsque Jésus entre dans ta vie, Jésus va te demander de te séparer. De te séparer. Si Jésus rentre dans ta vie, Jésus va te dire, sépare-toi de tout le monde. Ça veut dire quoi? Si tu veux marcher avec Jésus, si Jésus rentre dans ta barque, si tu veux qu'il change ta vie, les mauvaises compagnies que tu avais, les gens avec qui tu fumais, les gens avec lesquels tu t'asseyais pour critiquer, laisse Jésus entrer en toi. Il faut suivre ses instructions. Il va te dire, faut quitter le port du péché.
Quand Jésus rentre dans ta vie, il te fait arrêter l'adultère. Il va dire, mon fils, tu m'as dit de venir, non? Il faut quitter au bord du péché. Il faut couper avec l'adultère. Il faut couper avec tes copines là. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais des copines. J'avais des filles avec qui je sortais. Jésus m'a dit, tu vas arrêter ça. Je dis, Jésus, c'est difficile, hein? Moi j'aime femme. Jésus dit, Mohamed, tu arrêtes ça. Il dit, hé? Eh? D'accord. Ouais, j'ai dit d'accord. Ouais, mais je dis, Jésus, ouais, yes. Donne-moi la force. Ouais, que moi-même là, ouais, je ne vais plus aller voir une fille pour lui parler. Ouais, il dit, mais Jésus, ouais, si les filles viennent me poursuivre, ouais, ça sera difficile. Hein? Ouais, il m'a dit, fais-moi confiance. Ouais, Jésus est entré dans mon bateau. Ouais, Jésus est entré dans ma vie. Ouais, Jésus m'a dit, quitte ces genre de relations. Ouais, arrête les relations de péché. Ouais, va à l'église. Serre-moi. Va à l'église. Et j'ai écouté Jésus. J'ai arrêté les choses que je faisais. J'étais élève. Je trichais en classe. J'étais un gros tricheur. Jésus m'a dit, quitte le péché de tricherie. Arrête ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église. Ils ont dit, Jésus entre dans ma vie. Mais ils sont toujours collés à leur péché. Si tu es collé au péché, ta vie ne va pas changer. Tu ne vas pas réussir. Tu vas à l'église. Jésus est rentré dans ta vie. Mais tu es toujours dans le péché. Tu ne veux pas arrêter les mauvaises choses. Jésus a dit à Pierre, quitte le bord, quitte tes habitudes, quitte le péché. Dis à ton voisin, quitte le péché. Madame, le monsieur avec qui tu commets adultère là, quitte-le. Monsieur, tu es marié. La fille avec qui tu sois, c'est pas ta femme. Quitte-la. André, vous n'êtes pas content. Je prêche la vérité. On peut pas être chrétien et puis tromper sa femme, tromper son mari. Si Jésus rentre dans ta vie, André, mon message ne vous plaît pas, hein? Si ça te plaît, crie amen. Mon ami, c'est la Bible. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Ceux qui vivent dans l'impudicité ne vont pas aller au ciel. Ceux qui vivent dans l'adultère ne vont pas aller au ciel. Les menteurs n'iront pas au ciel. Les voleurs n'iront pas au ciel. Ceux qui prennent leur bouche pour insulter ne vont pas aller au ciel. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Le Dieu, c'est lui qui a fait marcher les paralytiques. Il est réel. Dieu qui a guéri ses hommes et ses femmes te dit que tu dois laisser Jésus entrer dans ta vie et tu dois quitter le port. Tu dois quitter le péché. L'apôtre Pierre a accepté. Avec Jésus dans sa vie, ils ont quitté le port. Et Jésus s'est arrêté. Jésus s'est assis, pardon. Et Jésus a commencé à prêcher. Dieu veut se servir de ta vie. Jésus veut prendre ta vie pour devenir. Qui veut devenir prédicateur? Qui veut devenir pasteur? Qui veut devenir évangéliste? C'est ce que j'ai fait de ma vie. Les hommes et les femmes que tu vois ici, nous avons donné notre vie à Dieu. Et Jésus est rentré là-dedans et il a fait de nous des témoins. Jésus s'est assis dans la barque de Pierre et il a parlé de Dieu à tout le monde. Toi aussi deviens serviteur de Dieu. Par coup, je suis venu vous dire que Dieu va susciter dans cette ville beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu. Je suis venu prêcher pour qu'ils se lèvent des prédicateurs.
Alléluia. Alléluia. Alors quand Jésus s'est servi de Pierre pour prêcher, Jésus va lui dire, Pierre, jette le filet. Ta vie a toujours échoué, non? Tu m'as mis dans ta vie. Tu m'as laissé prêcher dans ta vie. Tu m'as donné ta vie. Tu as fait de ta vie un instrument. J'ai pu me servir de toi pour sauver d'autres personnes. Tu as oublié tes soucis. Tu m'as donné ta vie. Et tu as décidé de me servir. Maintenant, jette le filet à droite. Pierre lui dit, Jésus, on a échoué, hein? Les poissons là, même s'il y en a, il fait saut. Ils sont au fond. Si toute la nuit on n'a pas eu, c'est pas maintenant on va avoir. Jésus dit, Pierre, jette le filet. Pierre a jeté le filet. Jésus dit, il faut tirer. Quand il a commencé, il dit, aïe. Il y a quoi qui est dedans? Il dit, c'est quoi ça? Il appelle son ami. Viens m'aider. Parce que comme il pensait que c'était vide, il pensait qu'il allait jeter et puis tirer. Et puis deux personnes arrivent. La Bible dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et eux tous se sont mis ensemble. Ils voient des poissons. Des centaines de poissons. Des centaines de poissons. C'est pas incroyable. Et puis, de gros, gros poissons. Des poissons que lui n'a jamais pêché. Des jolis poissons. Des gros, gros poissons. Écoute, mon frère. Je te parle de Jésus. Je te parle de celui qui est Dieu. Je te parle de celui qui est Seigneur. Il est capable de tout faire. Il est capable de te prendre de la pauvreté pour t'amener à la richesse soudainement. Il est là où tu as échoué. Il va te faire réussir en moins de 24 heures. Quand Jésus se sert de toi, quand Jésus se sert de ta vie, il la transforme en quelques minutes. Toute la nuit, Pierre a échoué. Mais en quelques minutes, il est devenu riche de beaucoup de poissons. Il a rempli sa barque. Les autres ont amené leur barque. On a mis les poissons encore. Et tellement il y avait de poissons qui étaient gros, le bateau même s'enfonçait. J'imagine les gens qui étaient au bord du lac. Il dit, il y a quoi là-bas? D'où viennent ces poissons? Quand Dieu appelle la grâce va venir dans ta vie. Je suis venu te dire, après notre passage ici à Parakou, la grâce va vous visiter. Pasteur et prophète, homme de Dieu de Parakou, vous allez jeter les filets et des âmes par milliers vont se convertir pour remplir les églises. Toi qui as échoué tout le temps, Jésus qui est rentré dans ta vie aujourd'hui, il va faire la différence. D'ici fin 2023, on rentre en 2024. Toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Je suis venu te bénir dans le nom de Jésus. Je viens prophétiser la réussite de ta vie. Ta vie va réussir. Jusqu'à aujourd'hui, tu as échoué. Mais quand Jésus est dans ta vie, Jésus change ta vie. Jésus donne un sens à ta vie. Jésus guérit ta vie. Là où tu avais échoué, Jésus résout le problème. Jésus te guérit. Jésus te délivre. Mais donne-lui ta vie. Donne-lui ta barque. Donne-lui ta barque. Donne-lui ta vie. Laisse Jésus entrer en toi. Et laisse-le faire de toi un serviteur, une servante de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Crie alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Amen. Je vois beaucoup de grâces de poissons venir sur toi. Là où tu as échoué toute la nuit, là où ta vie a été un échec, je te regarde dans le nom de Jésus. Et j'annonce qu'un miracle arrive instantanément sur toi. Un changement radical de ta vie. Demain, je vais vous bénir, mais demain, il y a une onction spéciale pour demain. Le commerce où tu avais échoué là, ça va réussir d'une manière. Tu sauras que Dieu a envoyé un prophète ici à Parakou. Mais ce soir, vous devez laisser Jésus entrer dans votre parcours. C'est-à-dire dans votre vie. Alors, si tu es là et que tu sais que Jésus-Christ n'est pas encore en toi et que tu sais qu'il n'est pas dans ta vie, peut-être que tu vas à l'église, mais Jésus n'est pas dans ta vie. Tu écoutes les prédications. Tu écoutes les pasteurs, mais Jésus n'est pas dans ta vie. Alors si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, si tu veux que Jésus soit dans ta vie, tu le peux maintenant. C'est à toi de dire: Jésus, viens rentrer dans ma vie. Viens rentrer dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Jésus rentre dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire: Jésus, viens rentrer dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à ce que Jésus-Christ rentre dans sa vie et l'éloigne du port? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à être changé? Alléluia. Alléluia. Alors si tu veux que Jésus rentre dans ta vie, tiens-toi debout. Tous ceux qui veulent recevoir Jésus, tenez-vous debout. Tous ceux qui veulent que Jésus vienne habiter dans leur vie, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Toi qui veux que tu veux suivre Jésus dorénavant, tiens-toi debout. Toi qui veux marcher avec Jésus, tiens-toi debout. Toi qui veux que Jésus règne dans ta vie, tiens-toi debout. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Amen. Amen. Maintenant, Jésus a dit cette phrase. Comment est-ce qu'il rentre dans la vie d'une personne? Romains chapitre 10, verset 9. Jésus-Christ dit: si tu crois dans ton cœur, si tu crois que Jésus est ton sauveur, si tu crois que Jésus est Seigneur, si tu crois qu'il efface tous tes péchés, si tu crois et si tu confesses ça de ta bouche, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire que toi aussi tu vas ressusciter. Si tu crois, tu es sauvé. Ça veut dire que tes péchés sont effacés. Ça veut dire que Dieu va laver ta vie. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Alors, si tu crois, tu vas répéter cette confession avec moi. Dis avec moi: Jésus, j'ai entendu ta parole et je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois. Répète fortement. Dis: je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu es le Seigneur. C'est-à-dire, ma vie t'appartient. Jésus mon Seigneur, Jésus mon Sauveur, sauve-moi, délivre-moi des démons, du péché. Jésus, viens dans ma vie. Jésus, transforme ma vie. Jésus, change-moi. Jésus, sauve-moi. 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 Sauve-moi.
Délivre-moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Pour toi-même. Maintenant, tu vas, Dieu va te bénir. Hier, on a fait Amen long. Qu'on appelle Amen prolongé. Amen. On va faire maintenant Amen multiplié. Amen comment? Amen tabiru. Amen tabiru. Amen tabiru. Ça veut dire beaucoup, beaucoup. Hein? Tabiru. Amen tabiru, c'est Amen, 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 Amen. Chaque Amen, c'est un poisson de bénédiction que tu prends. C'est une bénédiction. Amen, 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 Amen. Chaque Amen que tu vas dire, Dieu multiplie ses grâces dans ta vie. La santé, la réussite, la prospérité, la santé, la grâce. Donnez Amen multiplié à Jésus. Amen, 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 Amen. La grâce est sur toi. La faveur est sur toi. Ta maison est bénie. Ta vie est transformée. Ta vie est changée. Ta vie est restaurée. Tu es béni au nom de Jésus. Les barakatarababra. Sarabakataya. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Tu es béni par un coup. Tu es béni enfant de Dieu. J'annule toute malédiction sur ta vie. Je me tiens ici dans le nom de Jésus. Toute malédiction, toute maladie, toute réclamation satanique est anéantie dans le nom de Jésus. Et tu es béni dans le nom de Jésus. Je déclare sur toi une multitude de bénédictions. J'annule toute condamnation qui était écrite sur toi. Si les sorciers t'avaient condamné à la mort rapide, je déclare que tu ne mourras pas. Mes amis, la Bible dit en Romains 8:1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parmi vous, certains avaient été condamnés par les sorciers. D'autres étaient condamnés à être malades. Mais je me tiens dans le nom, dans le sang de Jésus. Et dans le nom de Jésus, j'annule toute condamnation sur la base de la victoire de Jésus. Toute maladie, toute condamnation est annulée au nom de Jésus. Est annulée au nom de Jésus. Toute limitation satanique, toute condamnation est annulée au nom de Jésus. Maintenant, là où Satan t'a attaché, là où les démons t'ont attaché, tu es délié au nom de Jésus. Tu es délié au nom de Jésus. Tu es délié au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Chaque bénédiction dit Amen très fort. Tu es béni au nom de Jésus. Dieu te donne la faveur de la terre et du ciel. Le ciel est ouvert sur toi au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que tu entreprends sur la terre réussit au nom de Jésus. Tu es béni dans la ville, tu es béni dans les champs au nom de Jésus. Je bénis le fruit de tes entrailles. Là où Satan avait mis la stérilité, là où tu ne pouvais pas enfanter, là où tu n'avais pas d'idée, je déclare que tes entrailles sont bénies au nom de Jésus. Je déclare que tu es fécond au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Je bénis ta maison au nom de Jésus. La troisième bénédiction, Deutéronome 28 dit,
Ta corbeille et ta huche sont bénies. Je déclare, il y aura toujours à manger dans ta maison. Je déclare, tu ne connaîtras pas la faim et la famine. Tu es béni pour ne pas connaître la dette et l'endettement. La pauvreté s'éloigne de ta maison au nom de Jésus. Par à coup, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Vous tous qui êtes bénis, je vous bénis de la troisième bénédiction. Il y aura toujours à manger dans ta maison. Les enfants de tes enfants auront à manger. Je prophétise que vous n'allez jamais connaître la faim et la famine dans votre maison. Si quelqu'un n'a pas à manger, il arrive chez toi et trouvera à manger. Je te bénis au nom de Jésus. Je déclare sur vous la quatrième bénédiction. La quatrième bénédiction dit, tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. Ça veut dire que quand tu commences quelque chose pour Dieu, tu l'achèves. Je te bénis de la quatrième bénédiction. Ce que tu commences, tu l'achèves au nom de Jésus. Ce que tu entreprends, tu l'amènes à terme au nom de Jésus. Tes entreprises sont bénies dans le nom de Jésus. Tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. Je prophétise la cinquième bénédiction. La cinquième bénédiction dit, les ennemis viendront contre toi par un chemin. Ils s'enfuiront par cette chemin. Dans d'autres versions, il est écrit encore, quiconque te bénit est béni, quiconque te maudit est maudit. Quand je vais dire ça sur vous, aucun sorcier ne pourra t'attaquer. Si un sorcier s'assoit et puis il planifie de te faire du mal, que son mal retourne à lui-même au nom de Jésus. Quiconque dira des méchantes paroles sur toi, j'annule tout ce qu'il a dit dans le nom de Jésus. Et que les méchantes paroles retournent à leur envoyeur au nom de Jésus. Les ennemis viendront contre toi par un chemin, mais dans le nom de Jésus, ils s'éloignent de toi par sept chemins au nom de Jésus. Par à coup, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Ouvre les deux mains. La bénédiction dit, tout ce que tu touches, tout ce que tu entreprends est béni au nom de Jésus. Dieu multiplie le travail de tes mains. Je bénis le travail de tes mains. Le chèque ne sera plus dans tes affaires. Je bénis ce que tu entreprends. Je bénis ce que tu touches. Je bénis ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth. La bénédiction dit encore, la septième bénédiction, elle dit, tu seras pour Dieu un peuple saint. C'est-à-dire, quelqu'un qui marche dans la sainteté, là, c'est une bénédiction. Je déclare sur ta vie, tu es un peuple saint au nom de Jésus. Je bénis Parakout, une ville sainte. Parakout, tu es rempli de la crainte de Dieu. Parakout, tes églises marchent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Par à coup, ton peuple est béni au nom de Jésus. Tu es pour Dieu un peuple saint. L'Éternel multipliera tes greniers et tes entreprises. Je déclare sur toi la bénédiction numéro 9, que l'Éternel bénisse ton ciel. Que le ciel soit ouvert sur toi. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Que ce que tu entreprends réussisse. Que ce que tu commences aille à son terme. Tu réussis dans tous tes projets dans le nom de Jésus. Dieu trouve son bon trésor le ciel. Il envoie la pluie de grâce à ton travail. Je déclare la bénédiction numéro 11. Tu prêteras aux nations, tu n'en prêteras pas. Ta vie devient une source de bénédiction. Bénédiction, tu es une source de bénédiction. Et je déclare la bénédiction numéro 12.
Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Dieu t'amène au sommet. Dieu t'amène en haut. Tu ne descends plus en bas. Parakou, tu seras élevé au Bénin. Je bénis la ville de Parakou. Je bénis cette ville dans le nom de Jésus. Je prophétise ta prospérité. Je prophétise la crainte de Dieu dans tes rues. Je prophétise la marche avec le Seigneur. Je bénis cette ville. J'annule les œuvres de la magie et de la sorcellerie. Et Parakou est béni au nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. D'avec moi, je suis béni, 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 béni. Au nom de Jésus, béni. Tu es béni. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu es restauré. Au nom de Jésus, tu es libéré. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Qui acclame, acclame, acclame. Acclamé, acclamé. Alléluia. Amen. Alors, pendant que vous étiez levé, on vous a donné des documents. Maintenant, je vais prier pour tous les malades. Ce soir, je ne vais pas faire ça. Demain, je vais prier particulièrement. Je vais faire une chose. Demain, ça sera spécial. Demain, je vais toucher beaucoup de malades. Demain, pas ce soir. Tous ceux qui viendront demain qui ne marcheront pas, on va les mettre sur le côté. Ça, j'ai fait ça demain. Et on va descendre. Je vais aller prier pour vous. Je vais vous toucher. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais toi qui es aujourd'hui, tu ne vas pas attendre demain pour être guéri. Ton miracle a lieu tout de suite. Là. Quand je dis demain, là, c'est pour les autres malades qui vont venir. Parce que maintenant Dieu te guérit. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Il n'y a plus de réclamation. Dans le nom de Jésus, on a annulé les réclamations sataniques. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, tiens-toi debout encore. Toute personne malade, oui, mettez la main là où vous avez mal. Et attendez-vous au miracle de Dieu. À la santé de Dieu. Mets la main là où tu as mal. Et nous allons déclarer la grâce de Dieu. Le baba baba bache ma broya se kateria de bros. Mettez la main là où vous avez mal. Père, toi qui guéris les malades, je traduis. Père, toi qui guéris, toi qui nous sauves, voici tes enfants de Parakou. Plusieurs d'entre eux sont souffrant dans leur corps. Plusieurs sont malades, papa. Mais tu nous as envoyés dans le nom de Jésus. Et tu nous as dit, Jésus, tu nous as dit que nous prierons pour les malades et tu vas les guérir. Et que les malades allaient être guéris. Voici tes enfants ici debout. Oh Dieu. Plusieurs ont été attachés par des démons et ont des maladies incurables. Je viens demander ta grâce et ta miséricorde à cause de ton sang qui a coulé à la croix, qui a effacé toute condamnation. Que ta miséricorde parle et que la santé et la guérison soient accordées à tous tes enfants ici. Que les malades soient guéris. Que les vies soient changées. Que les captifs soient délivrés. Car tu es Dieu au-dessus de tout. Je sais que tu es en train de déployer ta puissance dans toute cette foule. Que ta gloire est en train de descendre dans toute cette foule. Je vois des anges en train de faire mouvement dans la foule.
Et je sais que tu guéris ton peuple. Maintenant, Seigneur, prends le contrôle et guéris tes enfants. Au nom de Jésus, pardonne-nous nos iniquités et fais grâce et miséricorde. Au nom de Jésus, amen. Tu es guéri. Amen. Au nom de Jésus, amen. La maladie s'en va. Amen. Les démons s'en vont. Amen. Ceux qui sont envoûtés. Amen.